Yo tout le monde, c'est Thiom. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'Orme de Total War. On joue l'Égypte et la péninsule ibérique. Bah, y a plus grand monde. Hein. Ah oui, plus du tout, quoi. Bon. Ibossim est tombé. Bon, on va envoyer. On va envoyer du coup notre espionne à Nalbo. Hein. Puis Ibossim est en main alliée. Ah oui, on s'était arrêté la dernière fois sur une drôle de bataille. Les partes qui se déshonorent. Au niveau de Antioche. Soit. Excusez-moi, j'avais un son en double. C'est bien. Allez, on dissout les unités mercenaires. Wow, on gagne 16 000 par tour. Oh, c'est bon ça. Oh, ça c'est que c'est bon ça. Hmm. Oh, il est tout seul. Maintenant, c'est quoi ça? Ils sont perdus. Ils sont totalement perdus. Un petit pillage. Ah ouais, c'est vrai, il faut faire attention ici. Ouais. J'ai de quoi me faire une belle armée. Donc je vais peut-être lever une armée ici. Hein. Ouais. Territoire en plus. Alors me voici. Dites ce que vous avez à dire et espérez que j'y trouve intérêt. Voilà, sachant qu'il m'a trahi hein, totalement. Il a trahi nos intérêts. Une langue trop pendue qui parle sans sagesse. On peut pas faire de commerce, hein, c'est fou. Ils aiment pas le commerce, ils veulent pas commercer avec moi. Nous devons parler, j'en suis sûr. Mais. Je sais pas pourquoi. Tant qu'on a les armées pour défendre frontières, ça devrait pas poser de problème. Alors, on est un petit peu en rade d'armée ici quand même. Donc quoi ici? Ah, une mort de faim. On finira par prendre la cité de Massilia, mais. Ils mourront de faim. Ils seront bien morts de faim. Ouais, toujours les Alains, hein. Toujours les peuples des steppes. Je pensais pas qu'ils résisteraient aussi longtemps dans la partie, tu vois. D'habitude, les peuples des steppes, genre les Alains, ils se font assez vite démonter. Ah, en plus je perds un amiral, oh non. Ah, le coup dur. Ah, le coup dur est dur. Ah non, c'est bon. Ouais, je joue Cléopâtre et oh, me fais pas une frayeur comme ça. Bon, c'est la sœur de Cléopâtre quoi. Quoi qu'elle se fait âgée, mine de rien, Cléopâtre, 66 ans. Ouais. L'heure fatidique arrive. Ah, on peut développer, faire un émailleur ici, c'est bien. Pour vous, Seigneur.
C'est gentil, merci. Ah, Narbo est tombé. Bon, bah c'est... Ça c'est fait, hein. Ah bah tu as volé de la bouffe à Massilia. Est-ce qu'il me donnera un coup de main par hasard? Ne laissez pas les navires passer. Oui. Il me donne un coup de main, ça c'est bien. Résolution automatique. Bon équilibré. Le navire, mais... On occupe. J'écoute. Pour le moment. Et on fait tomber l'épide. Et une deuxième rame en moins. Rome de Pompée, Rome de l'Épide, c'est du passé. C'est là que ça va se gâter. C'est là que ça va se gâter, à savoir qui ira où. Je prévois des tours mouvementés. Je vais envoyer mes agents aux frontières avec... la confédération germanique ou les marcomans, je sais plus comment, je sais plus s'ils ont fait la confédération ou pas. Juste pour vérifier qu'ils fassent pas de bêtises. Hop, développement civil. Confédération germanique, ouais, c'est ça. Allez hop. Dernier ici. Ça me aura une vision d'ensemble assez assez correcte. Pas de qualifié. Oh. Tant pour moi. Oh, je pense à développer ma filiale le tour prochain. On est bon. Ouais, ça devrait être bon. On parle quand même d'Octère, c'est assez badass. Samon, elles sont bien. Ce sont autre chose, ils se font jamais attaquer. Même pas besoin de mettre des renforts. Quand même. Moins 23. Eh bien, purée. Ah, mais ils vont encore sortir à Massy. Ah, zut. J'ai oublié le nom. En Sardaigne. La cité de Sardaigne. Caralis. Ah, je crois que c'est Caralis, hein, Sardaigne. On va regarder ça. Caralis, ouais. Allez, on s'établit. Kidri et Gera. Ah bah c'est parfait, ce sont mes alliés. Donc, ouais, Kidri, ici, Gera, alliés militaires, les deux. Impeccable. Ah, on avait dit... construction, hein, c'est un petit peu tour de construction, d'amélioration. Je suis votre champion, monseigneur. Ouais, c'est vrai, toi t'es là toi. Putain, je t'avais totalement oublié. Ce sont des choses qui arrivent. Du coup, je vais pouvoir lui demander la vision autre part. Lui
demander ici. Pure précaution. Ah, il y a du menace ici. Purée, je sais pas ce qu'ils foutent. Ils ont débarqué. Aussi que je m'occupe de la Mauritanie. Maintenant que, quoique, maintenant que l'épide est tombée, peut-être que... Ouais, mais non, ils ont une montre à une fois. C'est la porte ouverte à d'autres trahisons. Et... et je vais pas leur laisser une chance de me trahir une seconde fois. Nourriture. Oh, mais on peut tenir de la bouffe en même temps. Historiquement, c'est pas déconnant. Et on a presque développé toutes nos provinces. Bon, d'accord, là il y a un peu de retard, mais. On a presque développé toutes nos provinces, hein. Si mal. Où dois-je aller? Oh, tu restes là, tu restes à clé, c'est bien. Que puis-je faire? Oui. Il est calme le Perse. Hein, Il est très calme en vrai. Je sais pas pourquoi, il est... Oh bah. Pourquoi il passe par la mer? Original. Peut-être que dans votre sagesse, vous trouverez le temps d'attaquer ces gens, tant que cela ne nuit pas à vos plans. Oui, ça me fera que mieux voir par... Il se débrouillera très bien tout seul. Et ça l'occupera. Et je vais pas l'aider parce que comme ça l'occupera. Voilà, je lui dis, vas-y. Moi je t'embête pas, il n'y a pas de problème. Ça occupera deux ennemis, enfin deux ennemis, deux autres factions. Et j'aurai pas à m'en soucier. Ça manque de neige hein, dans les Pyrénées. Hein. Là, le canigou, pas très enneigé. Hein. Bref. Allez, on fait le tour des territoires. Oh, ouais, mais attends, là je suis en train de penser, mais le tour prochain, là j'ai. Ça y est, j'ai tous les. J'aurai tous les villes et les cités à améliorer. Ça va coûter cher. Asie, Narbonne 6. Ah oui. Je vais même pas négocier en vain. J'ai tellement pas développé ça quoi. Bitinia et Pontus. Il manquera juste la Bitinia et Pontus. La Syria aussi. Une fois fait, on aura développé toutes nos villes correctement. Même s'il faudra y repasser. Il faudra repasser dessus parce que... Parce qu'on aura une technologie de fortification
Et oui. Après, c'est pas plus mal, hein. Des murs plus solides. Des revenus plus solides. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire comme autre technologie? 5% de construction des coûts de bâtiment. Ça, c'est bien. Ouais, la bouffe. La bouffe, j'en chie. Enfin, j'en ai plus qu'il n'en faut. Ça coûte cher, ça va coûter cher les gars, regardez là, 6000, splat. Allez, on va commencer par des villes qui ont des ressources, qui nous rapportent un peu plus du coup. Ah ouais, effectivement les mines d'or ça coûte un petit peu plus cher. Eh bah c'est pas pour maintenant hein, qu'on va lever la belle armée là-bas. Ouais, il a pas une armée fou lui. Hein. Ouais. Confédération germanique, qu'est-ce que tu nous fais là toi hein? Je fais bien de déployer mes agents quand même sur les frontières. Parce que même si la Confédération germanique est occupée avec la Confédération d'Assaut Thrace, pourrait nous embêter sur un malentendu malentendant. Non, c'est pas ça. Oh, Alexius, la bataille. Et rend maximum, bien joué. Nous nous battons pour vous. Hop, du coup, je vais prendre ça. Enfin, je vais prendre le brave du roi. Et je vais lui demander d'entraîner un autre. Un autre général. Allez, faisons une construction. Une province par une province. Après, en soi, 500 de richesse par tour. Quand de base c'est 400, bah ça augmentera de 100. Là on a 150, on passe à 50, ouais, ça augmentera pas mal hein, quand même les revenus. Ça baissera énormément la nourriture, mais... Quoique, parce que j'ai aussi des... c'est où? Mince. J'étais persuadé d'en avoir en parlant. Regardez par exemple Agrigentum, les villes céréalières, voilà. Voilà, ça va me faire produire beaucoup plus de bouffe. Hein. J'ai déjà 283 de nourriture. D'excédent. On parle bien d'excédent. C'est énorme. C'est tout bonnement énorme. Quand même aussi que je vérifie là au niveau de la possible sécession. Ok, on a vu là la Confédération germanique qui commence à utiliser ses agents sur moi là. Je sais pas si vous avez fait gaffe là, tout en haut à gauche de l'écran, ça a bougé. Donc clairement je vais mettre en place mes agents. De manipulation. Vous voyez?
sais pas si je peux... Ouais, trop bas. Clairement, je vais bien déployer mes agents. Ils l'ont recherché. De base, moi, je voulais pas. Je voulais juste la vision. Et là, vous voulez m'embêter. C'est pas grave. Egyptos, oui. Oh, voilà, la nourriture que ça va produire ici, c'est... Tu m'étonnes, exporte de la nourriture, toi. Ah, oh, ça y est, Rome aura enfin des vrais murs. Il est où le Capitole? Peut-être Capitole. Ok, bon, il n'y a pas de Capitole à Rome. Hop. Il est placé, lui il est en chemin. Je vis pour servir Pharaon. Oh, j'ai la vision sur ça, Moïse. C'est bizarre, c'est notre Antioche qui donne la vision comme ça là. Je sais pas. Ah, ici je voulais voir. Bon, ils ont toujours pas de. Ils ont toujours pas de, de région, de province. Donc, oh. Hop hop hop, eh. Famille carthaginoise, pourquoi vous m'aimez pas là d'un coup? Mais enfin. Ah, après je pourrais devenir un empire. C'est même très certainement ce que je vais devoir faire. Ça m'aidera à avoir moins de sécession. Donc là, dès que je peux, je le fais. Parfait. Ah. Changer d'endroit. On va lever une petite armée ici. On va rétablir. Allez, les familles carthaginoises. Je veux des patrouilles toutes les heures. Venez, rejoignez nos rangs. On va recruter du Merco. Voilà. On a déjà fait la techno. Ça va vite. On continue là-dessus du coup. Ça diminuera les coûts de construction, c'est toujours ça de près. Je voulais faire quelque chose, mais je ne sais plus quoi. Oui. On va sécuriser. Ici on va passer au niveau d'un empire. Pourquoi je fais ça? Bon certes je vais perdre de l'expérience de recrutement. Je vais gagner en taux de recherche, bon ça c'est un peu tard. Surtout plus 15 de loyauté pour tous les partis. Un emplacement de recrutement, ça c'est toujours sympa. Je peux purger, provoquer mais aussi assurer la loyauté. Voilà, bien sûr il y a... J'aurai 10 tours de loyauté en moins et d'ordre public en moins. Mais là les 10 tours de loyauté ils vont pas se voir parce que je suis protégé pendant 10 tours. Bon bah l'ordre public là ça va se voir. Et j'ai même un édit. Ouais c'est Rome la deuxième. Ah ouais, Tracia ici. Tracia qui rapporte bien. Faire récolter des impôts. Hein. Forcément oui, l'ordre public qui en baisse un peu partout. Mais c'est temporaire. C'est ce qu'il faut se dire, c'est un mal pour un bien. Ah zut, j'ai oublié.
séparatistes. Je suis donné perdant, les gars. Ce qui est magnifique. Hein. Je suis donné perdant. Il a quoi, il a ça. C'est pas grave. On a mené la bataille sur le champ. Ah, c'est vrai que les villes côtières, à chaque fois, là, ils se mettent sur là. Ils se mettent ici. Et c'est chiant parce qu'on a qu'une seule balise qui est à moitié efficace. En vrai, c'est mal foutu. Hein, je sais. Peut-être que ce sera amélioré avec les cités rang 4. Ah, il y a du mieux. Regardez, là je peux mettre une tour. La dernière fois, je pouvais pas. Artillerie de campagne en attente d'ordre. Je peux rien faire. On va les mettre autre part. Là. C'est pourri ça. Ah ouais. C'est pas souvent ça qui divise comme ça ses troupes. Bon. Piqué. Je tire une colisasse. Compris. Pour Pharaon, le divin. On étale. Au mieux. Au poste d'observation. Pour lancer le plus de projectiles possible. Ok, de la populace ici. Je sais pas quoi en faire. Artillerie de siège à vos ordres. Toi, tu fais une rafale enflammée. Voilà. Baliste. C'est parfait. Il a déjà pris le focus. Le feu à monter là. Ouais. C'est pas ça les tirs. Clairement c'est pas ça. J'y croyais plus. Et... Ah. Ah. Allez, je vais tirer sur les éléphants. Les éléphants, s'il te plaît. On aurait fait un peu le bazar. Là, je vais tirer. Qu'est-ce qu'il faut? Ça brûle très fort là. Ils sont très enthousiastes, un peu trop mon goût. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bah non, on va. Je dis mieux.
vite à ce qu'ils deviennent fous. C'est quoi ces pierres pourries? Je peux pas tirer plus vite, celui-là, pour le coup. Entre deux là. Projectile à votre service. Non mais. Je peux mourir là-bas. J'ai pas fait tant de dégâts à celui quand même. C'est ce royaume est plus cher. Oula, il est pas perf là. Les gardes de Galate, ils sont efficaces hein, les salauds. Ok, là les mercenaires. Non, plus de mercenaires étrusques. On fera une petite charge là, comme ça ils sont bien pris entre deux. Nous visons avec précision. Les éléphants vont là. Faire en feu. S'il arrive à toucher, c'est magnifique. Oh bah c'est magnifique. J'ai pas pensé, j'aurais pas pensé. Oh, c'est joli. C'était joli par rapport à là où j'avais les caméras. Mais... dernier tir, oui, crois. C'est pété en boîte, hein. Ils sont enthousiastes, comment ça ils sont enthousiastes beaucoup. Infanterie égyptienne. Enchaînez. Engagement. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Il va falloir les enlever, ouais. D'accord, ils sont comme ça. Est-ce que je vais faire? Si je ne veux pas que je me mette là, je vais me mettre comme ça. Gardez la vitesse! On va terroriser le feu à volonté. Visez-les tous! Allez, lancez au cas où, les gars. Pas bon du tout. Ouais. Il n'y a pas de tour, genre de là. De là à là, il n'y a aucune tour. C'est fou. Mais c'est quoi cet architecte numéro 10? Qu'est-ce que t'es venu foutre ici? Mais ne laissez pas les défenses des tours à numéro 10, hein. Enfin, les défenses des villes à numéro 10, hein. C'est. T'anticipes, on m'en fout du deuxième étage là. Y'a même pas de porte pour y accéder en plus.
essayer de reprendre un peu de morale là. C'est un bout de souffle. Temporiser avec les piquets derrière. Voilà, reprendre un peu de morale. Infanterie égyptienne. En vitesse. Replacez-vous les gars. Scorpion. Allez, tire sur ce général. Garde royale Galate devrait mourir avec les par les frondes. Ça touche hein, quand même un peu les Scorpio, ils touchent. Hein. C'est très important. Là bas il va mourir tranquillement. Ils sont 14, mais tiens. Infanterie égyptienne. Ah bah non, ils ont été 5 hein, quand même. C'est fou. Bah, ça bougera plus, je pense. Hein, le polybolos qui va faire sortir, mais... bien nouveau quoi. Je suis pas sûr que je puisse voir aussi loin. Bon, on va le laisser tirer du coup. On va voir s'il va toucher ou non. C'est pourtant pas facile hein. Au niveau précision, c'est pas ouf. Hein. Est-ce qu'on a moyen d'exciter un petit peu les éléphants derrière? C'est ça la question. Si les éléphants s'excitent. D'accord. Oh. Quoi? Non. C'est puissant. Ouais, dégâts des tirs sont hein. Ouais, ça touche pas souvent, mais quand ça touche... touche ça les picote hein. Je reste quand même sur le fait que c'est mieux sur le général quand ça touche pareil. Ouais. Ils sont 71. Oh. Oh. C'est efficace hein. Ouais non ça tue pas beaucoup. 68 ça fait 3. J'ai l'impression que ça les disperse plus qu'autre chose. Passons au rafale classique, voir. Parce que bon, les rafales enflammées n'ont pas l'air de faire plus de dégâts que ça. Ouais. Bon, encore une fois, c'est chiant. C'est bloqué devant, quoi.
Envoyer la. Envoyer des unités devant pour faire de la déco quoi. On va les attirer là quoi. C'est une victoire mais. Pas très très intéressante quoi. Et temps de se placer, on va arrêter de nous faire courir quand même. Ok. C'est parfait tout ça. On a quoi emporter? On va jusque là. C'est de faire charger les éléphants. Mais si je peux tuer les éléphants derrière. Ouais, c'est bon. On envoie le deuxième. Ouais, stop, 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 stop. Ouais, c'est parce que c'est bugué ou quoi. Par où il passe ? Par là pour aller là. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que. Ok. Bon, soit. Quel joyeux bordel. Putain, ils vont arriver, ils vont être à bout de souffle. Ils ont traversé toute la ville en courant. Easy, c'est ça. Quelle belle statue. Hein. Allez, reprenez votre souffle. Est-ce que la population peut monter là? Je vais pouvoir voir ce qui se passe de haut, c'est bien. Ouais, y a juste ici, hop, allez. Alors donner une belle vue. Voilà. Ouais, c'est sympa la vue d'ici, on a une belle vue sur le quartier, sur la piscine du gars ici, la mare, là. Ouais, j'irai pas tremper, je sais pas, j'irai pas faire trempette là-dedans. Ouais, j'irai pas du tout faire trempette là-dedans. Bref, est-ce que ça en est toi? Ok. Actif, ok, c'est nous. Il va falloir courir un peu, c'est juste pour l'échauffement. À bout de souffle, arrête, je t'ai fait courir quoi 5 secondes, 10 secondes. Ah. Avec même un flamant rose avec une patte cassée, il serait moins essoufflé à courir quoi. Vous êtes sur une belle route pavée. Ah, des belles tastes. Allez. Courons ici. Ah, dans ce sens-là, ça sera parfait. Ah, bah, qu'est-ce qu'il faut pas faire en vrai? Hop, maintenez. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut pas faire?
Aluette, gentille Aluette. J'avais pas vu que ça s'appelait comme ça, les gens en face. Aluette, je te plumerai. Je te plumerai. Le mec, c'est ça, tellement. C'est tellement avec le blason en plus. Je te plumerai le bec. Aluette, 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 aluette. Allez, ici, ici. L'obscurité s'épaissit, mais vous pouvez être la lumière de mon peuple. Je vous demande en... Oui. Pardon, je disais ici, si, qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Ah, donc on a fait quand même pas mal de constructions. J'espère que cet épisode vous aura plu. Famille égyptienne. Ah. Ah. Ils vont kiffer. Allez, je vous propose de me retrouver demain pour le prochain épisode. C'était Tiom. Ciao.